Bonjour, je m'appelle Léa et la question est pourquoi sommes-nous autant addicts au smartphone? Alors Léa, je vais répondre un peu à côté de ta question en disant que je ne crois pas que l'addiction au smartphone existe. Du point de vue du psychologue clinicien que je suis, l'addiction, c'est un diagnostic, c'est une psychopathologie et c'est un phénomène qui est vraiment lourd et grave. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'on a tous l'impression, quelquefois, que notre smartphone est très important dans notre vie parce qu'il permet d'utiliser toutes sortes d'applications, qu'il est très pratique pour voyager, pour se déplacer, qu'on ne peut pas s'en passer. Et on ressent ce besoin de toujours l'avoir avec nous parce qu'il nous permet de mieux vivre au quotidien. Alors, on a une sensation que l'on est dépendant de notre application, mais je parlerai plus comme psychologue d'un usage important et quelquefois d'un usage excessif plutôt qu'une addiction. Alors pour autant, le sentiment d'être vraiment accroché, de ne plus pouvoir se passer de son smartphone, il est quand même donc régulièrement fréquent. Beaucoup d'entre nous peuvent le ressentir, mais il est très éloigné de ce qu'une personne addicte à une substance psychoactive, à une drogue ou quelqu'un d'addict à l'alcool pourrait vivre. Il n'y a pas un sevrage physique et il n'y a pas un sentiment de tolérance. On n'a pas besoin de plus en plus d'utiliser son téléphone intelligent. Et c'est pour ça qu'on ne va pas parler d'addiction au smartphone, même si le mot « addict » est devenu un mot du langage courant et que la publicité met régulièrement en avant le concept. Pas du tout comme quelque chose de négatif, mais vraiment comme quelque chose de positif. Alors c'est une transformation de la société qu'un mot qui était plutôt du domaine médical devient du domaine social.